Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Tous les matchs, il reste 13 matchs. Les 13 matchs sont importants. Pas... Tu peux perdre dimanche et te sauver. Tu peux gagner et ne pas te sauver. Il reste des matchs. Il reste 13 matchs. Mais tu ne verras pas les choses de la même manière si tu gagnes les dimanches. Tu as une confiance supplémentaire qui va s'engendrer dans le groupe. Mais on le répète depuis un moment, ça. On est conscient que quand tu gagnes, les têtes sont plus légères. Mais il faut se donner les moyens de gagner en faisant un bon match, en mettant les contenus qu'il faut, en étant bon avec le ballon, étant bon sans ballon. Voilà. Il faut être bon dans les surfaces d'attaque et de défense. Il faut être bon partout. Et être efficace surtout. Parce qu'il joue simple et il fait des choses simples. Il ne se complique pas, il a fait des choses simples. Quand il faut dribbler, ben il a dribblé dans les bonnes zones où il faut dribbler. Quand il est en appui, ben il a joué simple, il a contrôlé, il a fait des remises, il a bougé. C'est ce qui fait la différence entre les joueurs qui voient vite, qui sentaient bien le jeu. Mais les deux devant étaient libres, ils sont libres de se déplacer les uns l'un par rapport à l'autre et de bien se déplacer. On fait que ça, on le voit avec tout mon staff et on a confiance en lui. Après, à lui d'être efficace devant le but, c'est comme ça. Il y a d'autres attaquants avant lui qui ont eu des trous aussi. Hein. Il arrive à remarquer tout simplement hein, en étant agressif comme il faut devant le but et continuer à bouger comme il le bouge parce qu'il fait des bons déplacements. S'il a les au casque, il se déplace bien, il est bon endroit et après il faut conclure. On va pas y répéter 100 fois les trucs. Hein. Mais c'est un grand garçon. Il va y arriver, ne vous inquiétez pas. Il faut que le public, s'ils veulent derrière l'équipe, c'est plus important. Hein. C'est ce qu'on attend d'eux. Encourager l'équipe pour les sublimer. Non, c'est pas un problème. Ils peuvent m'en sortir une autre s'ils veulent. Qu'ils encouragent les joueurs. Tout ce que j'attends d'eux. Note 2. Il encourage comme il faut l'équipe et qu'il fasse du bruit, qu'il amène l'équipe à aller de l'avant. Et tout. Mec, qu'il soit mécontent quand on n'ait pas de résultat, c'est normal. Après qu'ils encouragent l'équipe. Pas qu'ils sifflent les joueurs, pas qu'ils encouragent l'équipe, tout ce qu'on attend d'eux. On a besoin de tout le monde. Tout le monde doit fédérer pour aller gagner les matchs. Inversement, on avait vu le match aller, hein, on a gagné 1-0. Il devait y avoir 3-4-0 à la mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on avait subi. Bon, on se rappelle, hein, on a une mémoire. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. C'est le football. À nous d'être meilleurs qu'eux. À nous de déployer notre jeu comme on l'a déployé, comme on l'a très bien fait aussi par un moment contre Lyon. Et après, être efficace, je vous dis, dans les deux boîtes. Et duel, et c'est pas que les duels, il y a les duels bien sûr, après à bien se déplacer rapidement, à bien les faire courir aussi, à se mettre dans des zones pour jouer entre les lignes.
et prendre la profondeur. C'est le football. Voilà. T'as joué au football? On a tous joué au football. Si on n'arrive pas, on ne court pas bien et qu'on ne fait pas les bonnes passes, et ben, on ne se dépasse pas bien, ben, le jeu il s'arrête. Il faut être en capacité de faire courir le ballon et de faire courir l'adversaire. Mais reproduire, il faut reproduire ce qu'on fait quand t'es gros. Hein. Voilà, ben comment, ben, comme je t'ai dit, ben, quand t'as le ballon, il faut bouger, il faut que le ballon il aille vite et qu'il arrive au bon endroit au bon moment. Après, nous on donne des directives, on essaie de travailler toute la semaine comme ça. Après c'est les joueurs, il faut que mentalement ils soient costauds, qu'ils aient envie de réaliser ce qu'ils sont capables de faire et de répéter. Et ça arrive plein de fois, hein. Vous faites des bons matchs, vous perdez. Il faut passer au-dessus, il faut aller chercher la victoire tout simplement. Ben, s'ils n'ont pas pris conscience que c'est qu'ils n'ont rien compris, quoi. Je pense que tout le monde a pris conscience qu'on est en difficulté et qu'aujourd'hui on a du mal à gagner les matchs. Mais c'est pour ça qu'il faut être encore plus soudé pour aller chercher. Peut-être qu'on va faire un mauvais match et on va gagner.